Bon, hey. Pas tout ça, ça fait longtemps quand même, on va pas déconner. Que se passe-t-il? Ah! Il a retrouvé le lien de la chaîne. Allez, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, bonsoir! Comment allez-vous? Un mois, punaise. Ah, vache. Ah, je vous cache pas, j'avais pas prévu que ce soit aussi long. Ça a été, comment dire, un roller coaster? Un truc comme ça? Entre, j'avais dit quoi? Alors, on s'est lâché le 15 juin. Qu'est-ce qu'il y avait le 15 juin? Le week-end d'après, je ne sais plus. On n'avait pas un truc à base d'élection. J'avais dit, Oui, non, il y avait. Alors, finalement, le 21 juin, où j'ai pas pu, et j'aurais pas pu parce que de toute façon, j'ai la fibre qui avait pété à 20 h et quelques. Donc en fait, je me serais retrouvé, voilà, on n'aurait pas vu grand-chose, on n'aurait même pas eu le temps. Et après, il y avait les élections, et après, j'ai eu le enterrement de vie de garçon de mon beau-frère, j'ai eu. Et la semaine d'après, donc la semaine dernière, et bah Covid. Voilà, donc j'étais tellement défoncé que j'ai dit ok, on laisse tomber. Donc ça défile, ça défile, ça défile. Et donc un mois, donc le 15 juin la dernière fois. Et donc là, il est temps de s'y remettre. Il est temps de s'y remettre. Et donc, comme j'ai vu, comme vous avez vu, le sujet de ce soir. Comme j'ai eu l'enterrement de vie de garçon de mon beau-frère, j'ai pas pu assister à l'EHAC, qui est à peu près la seule conférence de sécu à laquelle je me rends physiquement, en théorie, chaque année. Même depuis quelques années, la seule conférence tech tout court, ce qui est pas assez bien. Quelque chose sur lequel je dois bosser encore aussi de mon côté. Mais donc cette année, voilà, j'ai pas pu faire le hack, et notamment son fameux Wargame, puisque pour ceux qui connaissent pas trop, le hack c'est une conférence de sécurité informatique qui se déroule une fois par an sur 2 jours et une nuit. Donc à savoir que pendant 2 jours, vous avez des conférences, des ateliers, des. Ouais, je sais. Des conférences, des ateliers, et. Donc ça démarre le vendredi matin, ça continue le samedi, et dans la nuit de samedi à dimanche, vous avez ce qu'on appelle le Wargame. Donc c'est un flash CTF. L'idée, c'est de participer à une mini-compétition où on vous présente une série de différents challenges, exercices, etc. Orientés sécurité, dans lesquels il faut trouver un drapeau. Donc CTF, c'est Catch the Flag, donc généralement, voilà, on doit trouver un drapeau à chaque fois. Et en fonction des différents exercices, du type d'exercice que c'est, etc., vous avez le droit à plus ou moins de points, vous avez un classement à la fin, pour dire vous êtes bon, vous êtes pas bon. Sachant que généralement, ceux qui gagnent à la fin, les mecs qui sont en équipe, je me souviens, l'année dernière, Thales, les mecs, ils étaient 8 ou 10 pour gagner. Cette année, ils sont arrivés que deuxième, hein, j'ai vu cette année. Je sais plus qui a gagné, enfin bref, c'était quand même, ça avait l'air quand même encore un peu costaud. Mais grâce à Jerfy qui est présent dans le chat, j'ai pu récupérer quelques fichiers, et donc j'avais envie de me faire un peu la main dessus. Enfin, il y a des fichiers et des références d'images Docker. Donc on va certainement se pencher. D'après ce que j'ai compris sur les images Docker, on verra combien de trucs on arrivera à faire, mais ça permettra de vous. T'as fait ce que t'as pu, mais c'est déjà pas mal, hein, t'inquiète, y a pas de souci, hein, c'est mieux que rien. Bon, donc, non pas que j'ai pas de sujet, hein, en cours, mais. Encore un pic un peu au fond de la gorge. Comme ça, voilà, ça me manquait un peu cette année de pas avoir fait ça. Et sachant que le restant de l'année, je fais quasiment pas d'exercice, entre guillemets, comme ça, de jeu de sécu. Je sais pas ce que j'ai sur le nez, là, ça me gratte. Donc ouais, voilà, c'est cool de pouvoir se pencher là-dessus.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va pas non plus attendre trop longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Parce que ça fait quand même un mois qu'on s'est pas vu. Je vais pas parler politique, puisque c'est une catastrophe. Pensée profonde à tous les techniciens de support informatique qui, depuis ce matin, rament sans relâche pour essayer de restaurer des Windows flingués par une entreprise qui s'appelle CrowdStrike. Voilà, parce que je sais que c'est pas évident. Même si a priori la solution est relativement simple hein, pour réparer, on n'est quand même pas sur quelque chose de non plus trivial. Et du coup, voilà. Courage, courage. Bosser sous Linux, vous aurez moins de problèmes. Garantie. Alors. Donc voilà, non. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je suis toujours en dilemme de changement de PC portable. Parce que vieux pépère de 2016, là, il commence vraiment à sentir. Et avec un peu de retard, il y a des gens qui se bougent un petit peu pour sortir des laptops AMD qui sentent pas le fion. Mais c'est encore un peu. C'est encore beaucoup. Si je vous montre un petit peu. Avant, je regardais un peu Framework et puis j'avais un problème avec Framework. Alors, j'ai oublié de vous mettre le zoom. Je me suis dit, je vais me dépêcher. Hop, pas préparé. Voilà. Hop, on refuse. Le problème de Framework, c'est qu'ils font 13 ou 16 pouces. Et moi, je voulais, le temps de me gratter, 14. Parce que vraiment, 14, c'est le. J'étais pas spécialement motivé par ce format et j'en suis vraiment tombé amoureux. C'est vraiment le sweet spot. Au début, je pensais que 15 pouces, c'était vraiment ce qu'il me fallait, 15 pouces 6, pas plus. Et quand j'ai vu ça fait quand même depuis 2018 que je me trimballe un ThinkPad, donc 6 ans, hein. Et en vrai, 14 pouces, c'est trop bien. Et 13 pouces, c'est ce que j'ai avec le laptop de mon employeur, et c'est petit, c'est vraiment petit. Donc voilà, j'étais pas. Du coup, c'est mes frameworks qui sont très intéressants comme concept, mais ils font 13 ou 16 pouces, donc ça m'intéressait pas. Les laptops de l'année dernière, avec processeur AMD, le problème principal qu'il y avait, c'était que de la RAM soudée. Et ça, c'est non. Voilà, clairement. La fausse justification de il faut absolument que les PC soient plus fins, etc. On manque de place et compagnie. C'est du bullshit. Ça leur permet juste de dire vous êtes obligé de changer le PC complet quand vous avez besoin de changer de puissance. Ou en tout cas de capacité en termes de mémoire. Donc ils vont se faire foutre. Un MacBook, oui, bah je. T'as même pas besoin de mettre les balises troll, hein. On est vendredi, hein. C'est le bonjour. Pardon. Je vous ai épargné le. Le reste de tout qui me traîne encore un petit peu. Donc ouais, ce que je disais, les laptops de l'année dernière, c'était soudé. Et cette année, on a eu Lenovo, eux-mêmes, encore. Qui l'année dernière faisait de la RAM soudée sur les processeurs 70-40, là sur les 80-40. Alors certes, forcément, c'est des gammes pro, donc du coup ça coûte une blinde. Mais on revient à de la RAM en barrette. On revient à de la RAM en barrette. Alors de ce que j'ai compris, c'est que ça commence à devenir n'importe quoi sur la mémoire. En fait, quand on regarde un petit peu les caractéristiques des RAM de cette année, enfin du modèle de cette année par rapport au modèle précédent, où là on est en barrette, on est sur de la DDR5 standard.
Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, l'année dernière, ils utilisaient de la LPDDR5, donc de la low power. La difficulté, c'est que cette mémoire n'a jamais été conçue pour être foutue sur barrette parce que ça posait trop de problèmes d'un point de vue signal électrique, apparemment. Et du coup, elle a toujours été conçue pour être soudée directement sur la carte mère. Et c'est pour ça que, voilà. Mais bizarrement, cette année, ça les dérange pas de revenir aux barrettes. Donc c'est que soit ils sont faits salement engueuler. Enfin voilà, ils ont dû se faire engueuler salement, je sais pas. Ou alors c'est parce que là, c'est un modèle P14 et pas T14 comme je cherchais avant. C'est vrai que j'en étais censé avoir des T14 et des L14, mais là, je sais pas pourquoi je suis sur du P14. Bon. Là, je regarde. Alors ceci dit, si c'est un peu cher, ça reste du Lenovo et c'est intéressant parce que l'écran il est qu'en Full HD et que j'ai pas besoin de plus. Parce que sinon, bon, à part que les couleurs c'est dégueulasse, j'ai revu passer pareil un fabricant qui s'appelle Tuxedo, qui est européen lui pour le coup, et qui nous a sorti un Infinibook Pro 14 pareil AMD. Bon, par contre, c'est du 3K. Pas forcément besoin. Mais même comme ça, avec le même processeur, ils sont capables de proposer quelque chose de. Enfin. C'est un 8845, c'est un Ryzen 7 quand même, mais. Bah, c'est moins cher. Alors, bizarrement, j'avais déjà fait un bout de configuration, il me semble. Donc on est sur le. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix du processeur, on a juste le choix de la RAM. Par défaut, on propose déjà 16 Go en double canal. C'est pas mal, hein. Et on peut choisir, moi j'avais choisi de le prendre sans SSD. Là, il faut remettre le clavier français à chaque fois. Hop, donc sans Windows, machin, avec le transfo. Il y a très 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 peu d'informations sur le transfo, mais en pratique c'est de l'USB-C. On est en 2024, hein. Ils ont pas fait l'erreur de. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, il est à 1239 euros, alors qu'il y avait moyen. Je l'avais logé en. J'avais vu que j'avais pu descendre. Est-ce qu'il est en stockage, bordel, sans SSD? Voilà, c'est ça, sans SSD, parce que le SSD, bah. J'en ai un là déjà, hein, qui traîne, qui sert pas. Donc je peux tout à fait le mettre dedans. Et du coup, on économise un peu et ça fait descendre la facture. Bon, on est encore à quelque chose qui est au-dessus de 1000 balles, hein. C'est un peu pénible. Et en plus, c'est de la précommande. Donc je vais encore attendre un peu. Mais on est sur du lourd. Et ça permettrait de repartir quand même pour pas mal d'années. Le seul truc que j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, on n'a pas le choix. Le laptop, il est fourni avec. Oui, batterie rechargeable, merci, mais. Elle est où là? L'information sur la batterie. Bon, la carte graphique, oui, ça c'est surtout ça qui m'intéressait, la 800. Alors, bon, ça on s'en fout, mais la 800, la 780M là, c'est pas tant ses performances en 3D, c'est quand même une carte graphique intégrée où on s'en fout un petit peu de la performance, même si ça permettra de faire un peu de jeu léger, y compris sous Linux, ce qui m'intéresse un petit peu. C'est surtout ses capacités vidéo. C'est la même génération que celle avec laquelle je fais le live actuellement. Et donc du coup, on a l'encodeur-décodeur AV1 intégré, plus le reste pour H264, H265, VP9, café, tartine, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, batterie, very large, 80. Ah ouais, d'accord. Screwed inside, donc remplaçable, mais elle est quand même vissée à l'intérieur. Ouais. Bon, voilà. Donc ça reste un beau modèle. Je vous mets ça dans le chat si vraiment ça vous intéresse. Hop.
Il faudra que je repasse. Voilà. Alors, du coup, on y va cette fois. Il n'y a pas deux batteries. Chez Tuxedo, non. Chez Lenovo, ils ont tendance à le faire. Alors, je peux essayer de revoir, mais j'ai pas eu l'impression que là, cette fois, sur le P14, il y avait. Parce qu'on a le choix entre. Il y a un choix de cellules. Il est où? Par ici, non plus. On a le choix entre une batterie 3 cellules, une batterie 4 cellules. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est ce que j'ai aussi, moi, sur mon vieux Lenovo. Peut-être que sur le P14, ce n'est pas le cas. Mais en fait, il faudrait essayer de trouver... Alors, on va essayer de choper les ThinkPad. Le truc, c'est que là, si on essaye de forcer... Alors... Je vais cocher toutes les options AMD. On sent le Ryzen 3, parce que là, faut peut-être pas déconner. Ah, peut-être L14, voilà, là ça coûte moins cher. L14 Gen 5 AMD. Et c'est plus ça que je cherchais au départ, moi. Oui, et là on est quand même sur un truc. Ça démarre Horizon. Ah, mais c'est 7735, c'est pas. Putain, les mecs ils te disent que c'est de la Gen 5 et c'est pas le bon proso, quoi. Ah oui, ben non, non. Alors c'est quoi, c'est T14, E14 Gen 5? Afficher deux modèles. Oh, mais c'est encore pire, 7430. T14 Gen 4, non. Il y a que les T14 Gen 5, voilà. Non, c'est pas donné. Hein. Je vais même pas regarder les T14S parce que là, faut pas déconner. Ah, voilà, et là, pour le coup, mais à chaque fois, on passe tout de suite au processeur. 85-40, 88-40, et là forcément, tout de suite les prix s'envolent. Mais eux, je crois que pour le coup, les T14, eux, ils ont des. Ils ont le double batterie. Ah ouais, mais genre en plus, il y a le choix entre plusieurs écrans, d'accord. Tech, c'est quoi ça? Non, ça on s'en fout. Non, clavier, on a le choix non plus. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Et carrément pas le choix, il n'y a plus qu'une... Donc ils auraient abandonné le système de double batterie. Ou alors ils vont me dire que si on regarde les modèles Intel, on va avoir les deux batteries et que sur l'AMD, on n'y a pas le droit. Ça, ce serait pas mal non plus, ça, comme enculade. Est-ce que je peux... Si j'enlève, si je décoche, merci. Est-ce que j'ai un truc qui permet de... On est sur du ThinkPad. On a quoi? Ouais, je peux pas aller plus loin, quoi. Ah, intelligence artificielle. Non. On a carrément des filtres maintenant. Un bonheur. Ah, quel enfer. Donc ça, T14 Gen 3, non, 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 non. Ça va être quoi? On va chercher quoi? Les E14. Ou alors c'est, on a un délire sur le site web. Là typiquement, genre on a le choix avec un deuxième stockage qu'on n'avait pas sur l'AMD.
Non, là on est sur le. Donc le E14, on n'a qu'une batterie 3 cellules, pas 2. Alors est-ce qu'on peut choper un T14 T14 Intel, on peut tenter, on peut essayer de trouver ça. Alors L14 Intel, hop. X1 carbone, non. T14, T14 Gen 4. Alors, si on regarde le T14 Gen 4, ils disent quoi? T14 Gen 4, hop. Non, là c'est pareil, on a le choix entre deux modèles de batterie, mais c'est une seule batterie. Il n'y a pas le double. Enfin, d'ailleurs, moi les batteries du Lenovo, du Lenovo là commencent vraiment à être rincées. Enfin, il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Je sais que c'est pas donné. Enfin bon. Voilà. Bon, sur ce, comme je sais absolument pas par où on part, enfin presque, suggestion avait été faite de commencer par les images Docker. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Docker Script, Another Secure Way ou Kaniko Tools? Est-ce qu'il y a une préférence sur celle où il faut démarrer ou est-ce qu'on y va un peu à la one again? Sachant que c'est des images qui ont été publiées sur le Hub Docker, donc en fait, normalement, si on cherche là-dessus, voilà, c'était CTF Donc le concept à chaque fois, c'est on part d'un élément, donc là c'est une image Docker, mais ça peut être un fichier, ça peut être. Le fichier peut être une image. Parfois, il faut soi-même trouver le truc. Et après, bah, le flag est plus ou moins planqué derrière différents mécanismes. Et on peut essayer de trouver des choses. Alors, on va commencer par Docker Script. C'est celle qui a été le plus téléchargée. Donc, j'imagine que ça devait être la première. Alors. Si on fait ça, quand on regarde les tags, on n'en a qu'un. Ok. On va pas s'embêter. On a un chat 256, 9, 95, 19, 95, 19. On va dire qu'on est bon. Alors, du coup. On est sur une image Docker, il y a plein de choses possibles. On voit que c'est une image où il y a 1, 2, 3, 4, 5 couches. On a donc plusieurs possibilités. Soit on est joueur et on tente de la démarrer pour voir ce qui se passe, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Soit on commence à regarder comment elle a été faite, pour éventuellement identifier quelque chose qui pourrait nous dire. C'est facile, c'est là et t'as plus qu'à le prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, ceci dit, pour regarder ce qu'il y a dedans, il y a plusieurs méthodes. Est-ce que j'ai. Oui, Dive est installé, donc c'est parfait. Je pense que je vais commencer par faire ça, pour voir un petit peu comment l'image elle a été faite. Elle a été faite from blobs. Ok, donc là, il y a quelque chose qui a été vraiment fait. Oh! Facile. Facile, facile. Bon, ça va. Ça, la première, elle va être simple. On voit que l'image, elle a été faite. Donc, Dive, c'est un outil qui permet d'analyser les images Docker. On voit que l'image, elle dit j'affiche le flag dans slash flag. Je copie un fichier install.sh. Je le chmod.
et je supprime le slash flag. Et ça, c'est dans des étapes différentes. Donc là, si je démarre l'image, je n'aurai pas de slash flag. Mais, en récupérant ou en exportant l'image, je vais pouvoir récupérer un état de chaque étape de cette image, et donc celle où il y a eu le écho de l'art flag. Et dans ce cas-là, normalement, je vais récupérer le contenu du slash flag. Comment on fait ça? Ben, on va faire un docker image save. Voilà, et on va pas s'emmerder, on va faire un image. Alors, on va peut-être commencer, on va peut-être se faire un petit dossier quand même. Parce que là, j'ai tous les fichiers, donc il s'appelle Docker Tools, hein, c'est ça? Docker Script. Hop, voilà, faire ça comme ça. Ensuite, Docker image save. Hop, machin. Image.tar, c'est comme ça que ça marche. Cowardly refusing to save to terminal-o. Voilà. Donc là, j'ai une image tar. Et cette image-là, si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai une série d'archives et de dossiers. Non, j'ai un dossier avec une série de blobs dans laquelle je vais avoir potentiellement. Il me semblait que normalement l'image donnait une série de tar. Oh là, attends, j'ai mon cerveau. Alors, qu'est-ce que index.json, qu'est-ce qu'on a? Schéma version 2, machin, ok. Si ensuite je regarde le manifeste, qui est un petit peu plus grand. Le manifeste me dit coucou, voilà la liste des images, ok. Ah oui, du coup, à chaque fois, c'est un point tar, donc c'est bien ce que je pensais. Donc, dans chacun des blobs... Voilà, chacun des blobs, si je fais un file, par exemple, du premier, là, le 0115... Ah non, c'est du JSON data? Comment ça? Et j'ai raté un truc là ou... Ah ok, d'accord, oui. Oui, ça, alors d'un côté je vais avoir des trucs. D'accord. Ok. Et à chaque fois c'est du tar archive, donc du coup. Bon, on va le faire comme ça. Écho. Là, i, deux points. Hop là. Je veux voir un peu chaque fichier à quoi ça correspond. File de la i. Hop, point virgule. Normalement, je fais ça comme ça. Alors non, pas comme ça, parce que si j'oublie de fermer un guillemet, ça risque pas de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, oula, oula. Ah merde, ouais, ok, je comprends mieux. Voilà. Ok, donc on a 5 archives tar et les JSON data. Ok. Alors du coup... Si je reprends le dive, il y avait moyen de voir un truc sur le... Ah bah oui, il y a un SHA-256 là. Donc là, normalement, si je prends ça, le D22C machin là, qui est là. Ok, donc lui, si je l'extrais, je suis censé voir des choses dedans. Oula. Un peu trop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi, c'est pas bon?
Non, mais ça va pas, je suis... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, voilà, ok. Donc, du coup... Voilà. Le premier flag était là. Voilà, bon, bah ça, déjà... Voilà. Ça, c'était la première image. Effectivement, j'ai bien fait, c'était la plus simple. Donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. L'idée, c'est il y a quelque chose qui était caché. Et surtout, ce que ça veut dire derrière, c'est surtout ce genre d'exercice permet de comprendre, typiquement, pourquoi il faut faire très attention avec ce qu'on met dans une image Docker quand on la construit, notamment en termes de secret. Si vous injectez quelque chose et que vous le supprimez après, si vous ne le faites pas dans la même étape de votre image Docker, donc dans le même run, par exemple, et ben en fait le secret va rester dans l'image. À un moment donné, dans une des couches, vous avez le secret qui traîne encore. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc voilà, donc ça voilà, c'était le premier flag. C'est rigolo comme introduction. Je valide. Merci. Ah, maintenant, c'est pas dit que ce soit le cas pour toutes les images. Ou en tout cas, ce sera peut-être pas aussi évident pour toutes les images. Ça, c'était simple, c'était la première. Et on n'a même pas eu besoin d'installer. Ah, si, en vrai, bon, il vous faut Docker, idéalement. Il vous faut un outil comme Dive. Je sais pas s'il y a des alternatives à Dive qui existent qui pourraient tourner sans Docker. De la même façon que maintenant, comme on a Podman pour démarrer des conteneurs, on n'a pas forcément besoin de Docker à côté. Donc, je sais pas s'il y aurait moyen de... Alors, ok, pool complete. Oula, alors, fait intéressant. Si on reprend le pool qu'on a fait sur l'image initiale. Le 73 machin. Donc, l'image a été faite à partir de la même base que notre premier challenge. Ce qui n'est pas déconnant, hein. Bon, on va faire la même. Et... Oh, ok. Mais... Ben là, y a rien. Là, c'est juste coucou, il y a le flag et basta. C'est encore plus con. Donc là, pour la grosse blague, si on voulait regarder un peu ce qu'il y a dedans. Peut faire ça. /bin/sh parce qu'on est sur du. D'accord, ok, bon bah voilà. Encore plus simple. Finalement, le Canico Tools était encore plus simple que cette image-là. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, ça c'est fait. Puis on va, du coup, on va se diriger tranquillement vers la troisième. Hein. On va pas rester plus longtemps que ça. Donc là, on avait vraiment. Alors, vous voyez par exemple, donc là, typiquement, j'ai démarré l'image, j'ai affiché le flag. Ça ciblait un truc Canico, mais ta solution fonctionne aussi. Le fait est qu'il n'y a rien à faire en fait. Tu récupères l'image, la première étape c'est de dire on met le slash flag. On n'a même pas besoin de s'emmerder à extraire les couches. C'est là. Donc c'est un peu. Et il faut pas oublier aussi que tu m'as pas donné les descriptions ou les indices. Hein. Là, au moins, je pars complètement l'aveugle. Et donc. Mais oui, donc si je voulais reprendre la première image. Du coup, qu'on a fait, qui s'appelle donc docker-script, et que je fais ça, si je tente le cat slash flag, là, il me dit qu'il n'existe pas. Normal, puisque dans les couches, la dernière couche qu'on avait, c'était supprime le slash flag. Et d'ailleurs, par contre, on avait un truc, c'est quoi? C'était slash root slash install.sh, qui nous dit dummy install script don't work without valid flag. Ah, les petits rigolos. Donc, du coup,
Bon, bon, en vrai, hein, on n'a même pas eu besoin de la deuxième. Alors, la troisième, on a dit, c'était Another Secure Way. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de challenge, là. C'est bon, on dira, c'est le tout début. Hein. Il est même pas 22h. Tant qu'on s'attaque aux autres fichiers, ça risque d'être... ça risque d'être une autre salade. Encore une fois, avec une seule couche aussi. Oh. Oh, alors. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dive? Echo, oh no, my flag's not here anymore. Ah, voilà. Bon, alors. Mais là, c'est chaud parce qu'il n'y a qu'un seul run. Ça veut dire que c'est pas dans l'image, mais ça va être dans les métadonnées ou un truc dans le genre. C'est-à-dire qu'on le verra pas là dans le... Ça doit être une image busybox, le from flag, là. Non, 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 là, dis rien, il n'y a pas eu besoin. Donc, pour l'instant, dis rien, je ferai peut-être l'appel à un ami plus tard, mais en tout cas, voilà, donc on sait que ça ne sert à rien de chercher dans le contenu de l'image. Le flag n'est pas dedans. Le flag n'est pas dedans, donc du coup... Du coup, il faut le chercher ailleurs. Alors... c'est quoi, c'est le cœur, l'aspect. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Alors, ben voilà, il est là. il est là, il est dans les variables d'environnement de l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il a été configuré là. Mais on ne voit pas de commande env. Donc bon. En tout cas, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on voit que le flag, il a toujours le même format. C'est le hack underscore et après un identifiant derrière. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, pas ça. Là. Hop. Bon, bah ça va. Honnêtement, les trois images Docker, effectivement, c'était une bonne mise en bouche. T'aurais pu demander un petit peu plus de travail. Là, à chaque fois, c'était à part celle. Vous voyez, d'un côté, on a directement le flag à la racine. Ça, c'est le premier niveau. Là, on a le flag, en fait, n'est pas dans le contenu de l'image, mais dans ses métadonnées. Et en l'occurrence, dans les variables d'environnement. Et on a... Il y a eu beaucoup plus d'actions. Et en fait, il faut remonter dans les couches pour extraire le flag au moment où il a été ajouté dans l'image. Et première année où ça sort des nouveaux games... Bah ouais, là, en l'occurrence, ça, on l'avait pas eu l'année dernière. C'est vrai que... On avait eu un peu d'introduction à de l'osint, mais du coup ça demandait. Je me souviens qu'on en avait chié. Il y avait un truc trouver le nom d'un hôpital à côté d'un lieu. Enfin, c'était un peu énervé. Je me souviens que Simon, il avait trouvé un truc dans une église. C'était un truc énervé où il fallait. L'image qu'on avait, c'était un indice de la forme, ou c'est une basilique, je sais plus, enfin bref. On proposait 2-3 sur Kubernetes. Ouais, bah après le problème c'est qu'il faut pouvoir les exécuter, il faut pouvoir les héberger. C'est pas toujours évident. Docker maintenant c'est relativement facile, quelle que soit la machine qu'on a, de l'avoir à disposition. Voire même d'utiliser des outils tiers. Enfin, franchement, le Image Inspect, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas moyen de le faire avec d'autres outils que Docker, par exemple. Ce serait un exercice un soir de se dire comment on veut faire si on veut se passer de Docker sur un système moderne.
Et que, du coup, comment on travaille avec ces images-là. Bon, il me semble, que tu m'avais dit, si je regarde, on va peut-être passer à un autre niveau. Ou là, on passerait sur question. Hop, allez, est-ce que là, celui-là, je vais réussir à le faire dans le temps imparti? Question. Alors, on va se faire un dossier pareil. Oui, bah oui, du coup. Hop. On bouge le challenge dedans. On se met dans le dossier et on reprend. Alors, là, j'ai juste un fichier qui fait que 16 kilos. À peine, même pas. Oh merde. Ah, je déteste ça. Ah non, je déteste ce genre de truc. J'aime pas les trucs en binaire. Fais chier. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut l'exécuter, puisque là, il demande à utiliser. Il est dynamically linked, mais avec un truc. Un truc simple. Enfin, a priori, hein. Encore que. Non, il ne l'a pas trouvé, ça, le LD Linux. Ah. Bah si, a priori il l'a. Hein. Oui, il l'a. Bon bah je sais pas pourquoi. Ok. Ah oui, non, c'est que là, il met directement le chemin du fichier. Bon, c'est vraiment un petit truc. Alors du coup, est-ce que je commence par afficher? Les strings qu'on a dedans. What is the result of congratulations? You're wrong. Ok, the flag is. Et il est censé afficher un truc. Ah merde. Je déteste ça. J'en fais jamais et c'est pas pour rien parce que je sais pas faire du reverse de binaire. Oula! Oula, oula! Non, ce serait si simple que ça. D'accord, juste le truc, il fait une opération à la con et à la fin, il affiche le résultat. Il n'empêche qu'il est bien planqué le résultat parce qu'on ne le voit pas dans les strings du binaire. Merde alors, putain, par contre. Bon, il va falloir qu'on se le. Par contre, on se le processe un petit peu ce truc-là, pour le coup. Par contre, on se le processe parce que. Règles de mathématiques. Bon, sérieux, ça marcherait ça? En vrai, si ça marche, c'est un peu con, mais. Merde.
Hop. Ça y est, premier outil de la soirée qu'on installe. Oula, je sais pas quoi. Putain, tout ça pour faire... Non, t'es sérieux? Non, mais si à chaque fois c'est ça, c'est nul. Il y a forcément un piège quelque part. Non, j'ai pas l'impression. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas à l'avance combien il y a de... Oula! Ouais, ça peut durer longtemps, ça. T'as de la chance, j'ai pété mon sudo. Comment tu peux péter un sudo? Ah! À la main compte 4-5 heures, mais comment on peut... Le problème, c'est que là, le binaire, il continue comme ça, donc je vois pas trop le délire. Oh, le problème. Là, j'avoue que si effectivement ça traîne comme ça pendant... Oh. Ouais, d'accord, ça peut mouliner comme ça pendant un bout de temps. Donc, il y aurait une... Le problème, c'est que moi, ce genre de truc... comment on pourrait tricher avec quoi? On pourrait tricher avec la randomisation? On pourrait tricher avec... avec quoi on pourrait tricher? Parce que j'avoue que là... Hello. Spectre, c'est Jonathan, je crois, hein, c'est ça. T'es grillé. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Hop. Non, hop. Trouver avec des pipes bash, Le problème, c'est que le programme, il est récursif, donc je suis en train de chercher à comprendre comment tu pourrais t'assurer de d'extraire ça et de renvoyer le truc comme ça directement avec un pipe. Ça m'emmerde un peu. Parce que là, t'es quand même censé lui renvoyer le résultat. Non, c'est pas forcément des bêtises, mais là, dans ce cas-là, en fait, c'est soit si tu manipules pas le binaire directement, ou que tu manipules pas la partie... parce qu'il y a l'air d'avoir un bout de random dedans, notamment sur le nombre de tours en fait qu'il faut pour terminer le truc.
Il y a une notion de comment tu récupères la sortie de ça pour la traiter et lui réinjecter le résultat dans la foulée. Le problème étant que le binaire lui-même, en fait, le problème c'est qu'il s'attend au résultat. Donc on aurait quoi? On aurait un truc où on fait un. Comment on pourrait lui envoyer? Et là, si on fait ça, si on fait un truc comme ça, alors je suis pas dans le bon dossier, donc ça marchera pas, hein, faut pas paniquer. Parce que là, du coup, moi, je suis en train d'essayer de penser à un truc genre avec des chevrons, mais ce serait un peu dégueulasse. La solution hard avant la fin du live. Là, le truc qui m'emmerde, c'est que le binaire, il boucle sur lui. Enfin, il... Oh! Oui, mais non, le problème, c'est que si... Non, il se rappelle pas lui-même, je pense pas, parce qu'il faut qu'il garde la valeur initiale de la boucle. Je déteste les binaires, mais... Ça m'énerve, je déteste ça, c'est pas pour rien. Moi, tous les trucs à la con, à base de radar 2 et compagnie, je sous du GNU, du GDB, du... Ça me bloque complètement ces trucs-là, c'est au-delà de mes compétences. Parce qu'en soi, tu vois, lancer le binaire et dire capturer ce truc-là, récupérer que ça c'est faisable, hein, très facile. Un peu dégueu, mais facile. Du style, si on s'arrête là. Ça, on peut faire ça, on peut faire un pipe. C'est quoi, c'est... J'ai deux choix, soit je fais le print. Soit je fais, c'est quoi c'était? Non, c'est cut. Le nom des outils. Ouais, attends encore quelques secondes, je réfléchis un petit peu. J'essaye de voir si je peux m'en sortir déjà avec ça. Ouais, bah voilà, ça marche pas, évidemment. Ça marche pas. Normal, parce qu'en fait, le programme ne sort pas. Quand on le lance, il sort pas, donc j'ai du mal à comprendre comment on peut lui... La question, elle est là, c'est comment... Comment on manipule le binaire? Soit pour être capable de récupérer ce qui sort en temps réel et lui réinjecter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'il pose une nouvelle question, on détecte et via du pipe. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, quand on fait ça, quand on fait un pipe comme ça, à la base, la question, elle est censée. Enfin, le binaire, il est censé rendre la main. Sauf que là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, il se bloque pour pour demander une réponse. Et du coup, on ne peut pas traiter ce qu'on met dans le pipe. Puisque par définition, pour traiter ça, il faut qu'il ait rendu la main, sauf qu'il la rend pas. Donc dans un truc aussi con comme ça.
Ça peut pas être comme ça. Parce que sinon, ça peut être un truc à la con, type... Ouais, voilà. Là, si on s'amuse à faire ça, on renvoie une réponse à une question qu'on n'a pas encore eue. Ça, c'est encore un autre truc aussi. Parce que sinon, on a aussi l'option d'essayer, après, on fait c'est quoi supérieur à point slash question, un truc comme ça. Ouh, il a pas aimé. Ouf. Il a pas aimé. D'accord, c'est pas grave. Ouais, c'est pareil, de toute façon, dans le même état d'esprit, voilà, il se passe jamais rien là-dessus parce que le point slash question ne renvoie pas la main. Est-ce qu'on aurait des options de bash? Ouais, mais ça c'est pour bash, c'est pas pour... Je suis en train de regarder hein, s'il n'y a pas moyen de, via des options de bash, de lancer des trucs en plus, mais... Bon, pour la blague, tu me donnes une des commandes, pas tout, mais pour essayer de voir si ça me, si ça me met sur une piste ou pas. Mais... Non, le truc avec le dumpstring me plaisait bien, mais je suis pas sûr de... Je suis pas sûr de le passer comme il faut. Ah, je déteste les binaires, mais c'est d'une force. Ouais, pareil, c'est pas le même problème.
même problème, c'est-à-dire que le debug.log ne peut pas se remplir puisque les questions ne rend pas la main. Là, ça va être la même chose, j'imagine. Si je le fais comme ça. Même pas. Bon, pas ça. C'est pas ça. Quel outil nous permettrait dans Bash de manipuler la sortie alors même qu'il rend pas la main? La difficulté, c'est qu'on doit récupérer la main du truc. Hein. On peut pas faire un truc aussi dégueulasse que ça. Ouais, bah oui, non, on peut pas mixer les deux. Non, c'est bon, il me l'a pas lancé. Cannot exécute une binary file là. Ah oui, donc en fait la méthode en bash, d'accord, si tu la connais pas, je risque pas de la trouver tout seul. Parce que la méthode en dur, oui, à tous les coups, ça va être à base de. Si je suis un bourrin. Ouais, ça a été un truc dans ce genre-là, mais ça, c'est juste pas possible. Un truc comme ça, non? C'est quoi le truc déjà? Oui, non, mais c'est. Ah merde, c'est quoi le truc? Comment on fait? Sans point d'exclamation, bordel de Dieu, j'en étais pas assez. Non mais pire, c'est qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal de vide hein, dans l'histoire. Pas sûr qu'on voit quelque chose de pertinent là-dedans. Vérification des essuie-glaces. Ce qui est rigolo, c'est qu'il fait des plus et des moins à chaque fois dans le binaire. Et là, il récupère juste un truc. Il y a quand même pas mal de vide en plus dans le binaire, c'est ça qui est ouf. Hein. Je suis pas sûr que je récupérais quelque chose là-dedans.
Là, j'essaye de voir s'il y a des choses qui ressemblent à un dictionnaire ou un truc dans le genre, mais. J'ai un gros doute. Donc même en le regardant comme ça, on voit pas grand-chose. Oui, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est les trucs de base. Non, ça marche pas. Pareil, il faut qu'à chaque fois la commande, elle se. Oh! Oh, ce serait très rigolo ça, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Avec du MK FIFO? Ouais, mais c'est. Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionne. On peut le tenter, hein, mais. Pour la blague, on va le faire comme ça. Ensuite, on fait un petit. .txt. Hop, fou en arrière-plan. Et là, si je vais dans ouais, bah oui, il se passe rien. Il se passe absolument rien, c'est pareil. Ah, il se passe absolument rien. C'est-à-dire que là, il affiche même pas le contenu au fur et à mesure parce que. Qu'est-ce qu'on. Oh, il y a quelque chose qu'on peut faire potentiellement. Est-ce que via slash proc on peut récupérer des trucs? Alors. Ouais, bah oui, non, c'est du PTS, donc je vais pas faire un LS comme ça.
C'est moins. C'est ça qu'il faut que j'oublie. Non, on s'en fout. Oui, non, ça, on s'en bat les couilles. C'est pas ce qui m'intéresse. Ah! Alors. Ok, peut-être que... Peut-être que... Avec un truc dans le genre. C'est-à-dire on pourrait en prendrait le... Alors, on dit machin. Pipe. Ok, alors ça serait while ifs égale read-airline. D'où ouais, je suis pas sûr. Sauf que comment on passe la réponse après à ce truc-là? Pas non plus. Ça marche pas non plus parce que... parce que quoi? Parce que pourquoi? Ça marche pour ping, mais... bon, vas-y, on voit une des commandes, hein, pour rigoler. Histoire de voir à quel point on pourrait éventuellement s'en sortir avec un truc comme ça, plutôt que la méthode bash. Parce que là, j'avoue que je sèche pas mal. Parce qu'une des raisons principales qui font que tous mes trucs pêchent là, c'est que le question, il rend pas la main. Le... Ah oui, donc en fait, on va s'arrêter là. on va s'arrêter là. Non, mais je... En fait, oui, donc ce que je disais, c'est que... Le programme en question. Alors, cutter, ça va être quoi ça? C'est... Hop. Reverse engineering powered by Rising. Bon, bah voilà. Ok. C'est gratos ce truc-là ou...
Bon, déjà, faut qu'ils apprennent à avoir des serveurs qui renvoient plus que 100 kilooctets par seconde. En vrai, là, moi, ce qui m'intéresserait, typiquement, si le binaire s'amuse à faire une espèce de boucle aléatoire avant de sortir le résultat du flag, l'idée, ce serait de tricher pour lui dire « Fais-moi une seule boucle plutôt que... » plutôt que de faire un truc aléatoire. En fait, on remplace l'aléa pour une simple raison. Voilà. Ça, c'est maman, c'est la compréhension que j'ai. J'avais déjà eu à le faire il y a quelques années. Non, c'était il y a encore plus longtemps, mais c'était pour bricoler un truc à une époque. C'était aussi con que changer le nombre de vies dans un jeu pour Amstrad CPC. Ça rajeunit pas. Mais voilà, l'idée c'est qu'en gros, voilà, on modifie le. On modifie le comportement du programme pour lui donner, pour lui dire de nous donner la réponse plus vite que ce qu'il est censé faire. Parce qu'effectivement, là, on sait qu'il y a de l'aléatoire, on sait pas de. Et on sait pas quelle est la taille de l'aléatoire. Comme tu dis, ça peut durer 4-5 heures. Parce qu'on n'a pas la taille de départ de la boucle. Donc voilà. C'est long du cul, bordel. 600 kilooctets secondes. C'est quoi, le mec il héberge ça sur son ADSL ou c'est quoi le truc là? C'est quoi cette adresse? Putain, GitHub, hein? Et je télécharge à 600 kilooctets secondes? Il est sérieux? Alors par contre, comme c'est sous Windows, il va falloir recopier le machin. Ouais, en vrai, on va faire ça. Ouais, c'est pas grave. Tant que tu m'as créé le dossier. Hop. Il m'a créé le dossier. Et il y a le binaire. Voilà, tout ce que je voulais. Alors, c'est cutter, c'est ouf. Cutter, Windows. Ok, hop. Autres options, setzip. Hop, extraire ici. Cutter, cutter.exe. Hop. Tada. Alors, ouais, ok, bon, à gauche, t'as toutes les fonctions, ouais, peut-être, mais
C'est pas forcément ça qui va m'aider. Alors on a quoi? C'est quoi ce truc-là? Entry init 0. Ah, ok. Il suffisait de double-cliquer pour avoir le truc. Alors. Ah ouais, non, mais là, on est directement en assembleur. Hein. Moi, je vais jamais y arriver avec ça. Ah, init 0. Alors. Ouais, non, mais c'est quoi ça, graphe? Ok, bon, bah déjà, comme ça, il n'y a pas de graphe, il n'y a qu'une fonction. Alors, c'est quoi ça ensuite? Ouais, et, si j'ai pas un truc qui ressemble à. J'ai jamais y arrivé un truc pareil, moi. Hop. Section texte, start. Ah! Ok, donc là c'est quoi? Alors ça me plaît, ça sent un annuaire, enfin ça sent un dictionnaire, c'est-à-dire qu'il crée tous les caractères dont il va avoir besoin. Il y a beaucoup trop de variables pour ce qu'il fait. Ouais, mais là derrière le problème c'est que là il déplace des trucs, là voilà, là on a le. On voit le hack, voilà, donc là notre annuaire il est là en fait. Enfin notre dictionnaire, pardon, notre dictionnaire il est là. Ça, jusque-là, ça va. Par contre, ce qui m'emmerde, et c'est là où ça va être compliqué. Là, on a la fonction. Alors, il rentre là-dedans. Et là, il fait un compare. Hein. Là, il fait un compare, mais après, il dit, tu jump à 150. Attends, il rentre dans le truc, il fait un compare, jump. Là, il y a le round. Ah, ok. Là, il y a le round. Alors, putain, si j'essaye de me souvenir un petit peu du coding. La vache, c'est dur. Hein. Ah, il en rajoute plein, hein, putain. Il rajoute pas mal de choses. Ouais, donc ça, c'est la boucle. Là, c'est la boucle où, en fait, il... Comment? Hein. Ok, on approche. On approche, on approche. On a notre compteur 198H. Où est-ce qu'il le définit, lui? 178, il est là. 88H. On approche de la compréhension, hein, mais donc l'idée, le premier truc qu'il fait là, le var 198H, c'est notre comment? C'est notre compteur. Et donc en gros, donc là, il nous fait quoi?
Il nous fait un compteur de 190 0x18F. Donc en fait, c'est ce truc-là. Si ça, il n'y a pas moyen de le modifier, ce truc-là. Modifier la fonction main. Adresse de départ, taille de la pile. Non, c'est pas ça. Non, non, moi je veux modifier ce truc-là. Je peux pas modifier cette valeur-là. Directement là-dedans, là, c'est pas possible. Parce qu'en gros, l'idée c'est ça. C'est que là, en fait, on a. Il nous dit si notre compteur qui s'appelle DWORD VAR 198H est égal à cette valeur-là. Donc effectivement, il y en a pour quelques heures. Tu jump au 0157D, donc là il nous pose la question, c'est quoi le résultat de ça? Oui, sinon on est bâtard et on change le jump pour le mettre à 1793 plutôt que 157D, mais ouais, j'avoue. Ouais, l'un des deux. Mais en fait, il faut pouvoir modifier le truc. Et c'est ça qui m'emmerde. Comment je le... Ah ! Éditer. Éditer les octets ou éditer l'instruction ? Éditer les octets. Votre fichier est ouvert en mode lecture seule. Réouverture en mode écriture. Modifier l'octet à 0 machin. Oh putain, donc ça, ça correspond à JLE 0x57 machin. Oh là. Ok. Alors non. Bordel. Alors. Éditer l'instruction. Bah voilà, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc le machin, c'est 0x1793, tout simplement. Par contre, je sais pas si... En fait, il n'y avait pas, donc du coup, pourquoi j'aurais besoin de sauter? Pourquoi j'aurais besoin de sauter ça? Est-ce que je peux faire du coup, je fais quoi? Sauvegarder le projet, exporter en tant que code. Oui, oui, non, mais ça j'ai compris, mais en fait ça y était pas, donc du coup j'avais peut-être pas besoin de le faire. Je fais quoi? Ouais, là il me la bouche, là il me la fait directement le. La modification du binaire ou. Non, on est d'accord, hein. Là il a pas. Il a rien touché, là il est toujours à 13h05. Parce que là, une fois que j'ai fait ça. Ah bah tout simplement. Non, je vais pas la voir, c'est ça. Je suis pas sûr de mon coup là.
Non, mais là j'ai compris le concept de modifier, mais après le problème c'est que de toute façon je connais pas, comme je connais pas le programme. Non mais là j'ai bien compris le délire, mais comment est-ce que je lui fais exécuter le truc? Non mais j'ai pas de processus. On s'en fout. En gros, une fois que j'ai fait cette modification-là, comment je la... Parce qu'en gros, soit je trouve comment refaire le binaire à partir de là, ou de l'enregistrer directement avec la modif que j'ai faite. Soit il est capable de me... Comment je peux du coup extraire là? Parce que j'ai compris comment modifier le truc, mais après... Là, par rapport au désassembleur, je peux retourner... Là, si je suis là. Je passe au xdump. Il m'a envoyé directement... Ah non, là c'est le début du fichier, donc c'est pas ça. Ah, quoique, non. Non, ça pourrait, hein. Ah mais non, je suis con, les 0x ils sont là. Oui, bah oui, donc en fait c'est là. Donc je pourrais tenter de le faire directement avec le... À la main, en fait. Maintenant que je connais ça. Un peu risqué. On va pas se mentir, ça. Ah, ouais. Toi, t'as fait ça avec Radar 2. D'accord. Après, je vais regarder vite fait. Oh, modify binary with cutter. Parce que là, une fois que je l'ai modifié, dans, enfin, une fois que j'ai trouvé, identifié et qu'on a fait la modification dans le programme, le problème, c'est que là. Ok, alors du coup, bon, c'est un vieux machin. Ok, ouais, ok, gna gna gna. Ouais. Oui. D'accord. Alors, gna, reverse the jump, ouais. Straight for the décompiler. Donc du coup, c'est quoi ce truc-là? Integrated Guidra, ouais. Ok, on s'en fout. Décompiler, machin. Stick the main function. Click on the line where it says varg 1. Non, mais ça, on s'en fout. Non, mais
Jusque-là, ça va, j'ai compris, mais... Comment on les enregistre après? J'ai trouvé comment le modifier, ça va, mais une fois que je l'ai modifié là-dedans, là si je fais quitter, ah ou alors il me dit qu'il faut enregistrer le projet, ça va être ça. Ah non, c'est un projet Rizin, donc on s'en bat les couilles, c'est pas ça. Moi ce qui m'intéresse c'est d'enregistrer le binaire modifié. Pourquoi je trouve pas l'option? Faut que je fasse exporter en tant que code, mais là il va me faire un point C. Là, je suis en mode écriture, d'accord. Exécuter le script Rizin. Non, bah non, ça c'est... Yara, on s'en fout. Cutter est très bien comme UI. Ouais, mais j'ai du mal à comprendre le délire du coup, là. C'est quoi l'idée, en fait? Il faut que je renvoie une commande radar 2 dans la foulée pour dire... Je enregistre-moi le binaire modifié. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que là, j'aimerais bien enregistrer le binaire, parce que j'ai compris le délire. Donc là, ça va. Donc effectivement, on n'avait pas le choix. Fallait y aller avec ce genre d'outil comme un furieux. Ben non, ça save pas en auto, parce que là, dans le dossier, il est toujours à 13h05. Donc ça m'emmerde un peu. Que là, si je fais ça... Et que je fais un discard. Non, il a rien enregistré. Donc du coup, je... C'est pas que j'ai paumé, mais... Alors... File, question. C'est en file. On va faire ouvrir. Charger en mode écriture. Option avancée, on a quoi? Non, ça va être juste les trucs charger PDB, charger le fichier de script, analyse activée. De toute façon, ça suffisait largement. Ça suffisait largement. Il suffisait de reprendre là pour dire. Ah, mais il l'a modifié! Il l'a modifié! Bah! Il a rien touché, ce con! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, il a laissé la date modifiée sans y toucher! Oh, c'est vicieux ça! Mais alors, du coup, est-ce que ça va marcher cette histoire? Si je vais là, que je vais là. Oh putain! Ok. Ah bah, ça a marché. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Ah, là, c'est violent quand même. Hein. Là, on est. Mais ça, je connaissais un peu. Ça, je connaissais un petit peu le concept. Voilà, l'idée, c'était de... Ah, comment torturer le comportement de l'application? Toi, tu es capable 2 jours. Bon, ceci dit, sans que tu me donnes le nom de l'outil, peut-être que j'aurais galéré encore un peu longtemps. Hein. J'avoue, j'aurais peut-être mis à peu près le même temps. Parce que... Voilà. Je connaissais déjà le concept de dire... À partir du moment où le programme te fait quelque chose, faut essayer de torturer son comportement. Et donc soit tu lui mens sur sa source de... Tu lui mens sur sa source de random.
Ça, c'est quelque chose aussi typiquement qu'il était. Alors, d'une manière assez détournée, pareil, encore une fois, à l'époque de l'Amstrad CPC, on n'avait pas de vrai random. En fait, il y avait une table fixe de valeurs, et à chaque fois qu'on appelait la fonction rand, il sortait la valeur suivante du tableau, qui faisait une certaine taille, et quand on arrivait au bout, il revenait au début. Et donc généralement, ce qu'on faisait, c'est que pour tenter d'améliorer un peu cette randomisation, on essayait de changer l'emplacement de base du tableau. Et pour ça, souvent, on se basait sur le temps après le démarrage. Mais pour ceux qui n'étaient pas forcément aussi malins, entre guillemets, pour essayer d'améliorer ça, on pouvait imaginer, on pouvait extrapoler la valeur qui avait été récupérée dans la liste. Et du coup, on pouvait tricher avec le fait que, comme c'était pas de la vraie randomisation, on pouvait anticiper les valeurs qui allaient sortir. Là, l'idée, c'est que bon, on est quand même sur des ordinateurs plus récents, le random, il est quand même beaucoup plus énervé, et donc dans ce cas-là, on peut tenter de dire au programme, t'auras pas accès au vrai random, tu vas avoir accès à un autre truc qu'on contrôle. Et idéalement avec une valeur super basse, comme ça. Balek. Ok, mais du coup, voilà. Bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais me le. Comment on fait oui, en RL, hein. Tout à l'heure, on avait lancé un truc en arrière-plan, là, le T. Donne. Ah oui, non, non, c'est bon. Il s'est arrêté. Ok. Je suis pas sûr. Non, si, c'est arrêté, c'est bon. Ok. Donc, bah voilà. Et putain, celui-là, il était. J'avoue. Je déteste ces trucs-là parce que moi, je suis pas bon dans ce genre de trucs. Enfin, bon, là, ça va. C'est le premier niveau, ça marche. C'est pas difficile. Il y avait qu'un seul truc à torturer. Je me souviens que, typiquement, il y a quelques années, on s'était cassé les dents avec Omega sur la fameuse ROM Game Boy. Sur le générateur de mots de passe, là. En fait, on avait trouvé on avait réussi à voir, à l'époque c'était avec Radar 2, on avait réussi à voir que le truc bouclait sur une fonction pour afficher caractère par caractère. On n'avait jamais réussi à aller au-delà et à lui faire afficher le truc complet sans nous poser de questions. C'est un peu plus compliqué. Bah pas simple, parce que c'est pas notre spécialité d'aller bidouiller du code binaire et des trucs bas niveau en assembleur. Pour les gens qui ont un petit peu plus l'habitude de faire ce genre de choses, c'est ça, ils font ça les yeux fermés le matin avec une main dans le dos avant même de sortir du lit. Pense à des mecs comme Coquille, etc. Là, pour le coup, on est sur des cerveaux d'une autre planète, donc forcément. Eux, ça passe tout seul. Donc du coup, je vais faire question. Je vais garder le jeu. On va ranger un petit peu. Tiens, la musique là, j'aime bien. C'est question châle, question. Cannot remove permission denied. Parce qu'il est toujours ouvert. discard. Hop. Yes. Voilà. Hop. Alors, j'avais fait un truc comme ça l'année dernière. Je me faisais des notes au fur et à mesure. Ça devait être dans la catégorie reverse. Et du coup, utiliser cutter pour modifier le
Chaîne de boucle. Hop, voilà. Et comme ça, on n'en parle plus. Bon bah voilà, du coup, 22h46. Oh, ça aurait été dur. Qu'est-ce qui restait d'autre que j'ai pas eu le temps de faire? Qu'est-ce qu'on avait? On avait... Alors, il y avait effectivement... On parlait de... On parlait de challenge, de ROM Game Boy. Bah voilà, là, il y en a deux. Challenge Easy et Challenge Medium. Qui sont des ROM Game Boy. Donc là, pour le coup, ça demande un peu plus de boulot, généralement. Est-ce qu'on peut voir à peu près facilement? Là, il dit juste que c'est du data, donc en fait, il ne sait pas ce que c'est. VM, c'est quoi? C'est aussi du... Oh là. Oui, là, t'en étais arrivé à dire tu modifies à telle adresse, tu modifies le jump pour... Ouais, non, mais là, faut avoir l'habitude de Radar 2, quoi. Effectivement, avec Cutter, pour le coup, du coup, c'est... Ouais, tu vois, ma première idée, c'était de modifier le compteur de la boucle. Du coup, on aurait potentiellement eu au moins une fois à le faire avant qu'il nous réponde. Bon, c'est rigolo, mais effectivement, le plus simple, c'est de modifier le jump. Le plus simple, c'est de modifier le jump, c'est-à-dire que du coup, tu lui dis pas de rentrer dans la boucle, tu lui dis d'aller directement à la fin, en fait. Ouais, non, mais ça me surprend pas, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu arrives à manipuler l'affectation de la variable au départ, ou tu modifies le compteur en lui-même. Mais il faut que la taille de la valeur que tu mets... reste identique, donc en fait il faut que tu penses bien. Là on était sur un truc avec c'était quoi 0x genre 18f ou un truc comme ça. Bah en fait du coup il faut que ta valeur ce soit 001 parce qu'il faut que le nombre d'octets reste le même dans ta valeur. Et comme t'as, si t'as pas fait ça, si jamais tu fais pas ça, du coup tu décales toutes tes adresses de 2 caractères, de 2 octets. Et c'est pour ça que tu tapes des segfaults, parce qu'en fait, il va essayer de pointer à des adresses qui ne contiennent plus des instructions, mais parfois une partie des registres ou des trucs comme ça. C'est aussi con que ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup buté quand j'avais tenté de me mettre à l'assembleur Z80 sur l'Amstrad CPC, encore une fois, hein, putain de vieux. Ce que ma mère avait réussi à faire à l'époque. Parce que moi, j'ai jamais réussi à faire d'assembleur sur Amstrad. Mais oui, ça me surprend pas. Et là, du coup, embedded, ça va être pareil, c'est du binaire aussi. Ah ouais, donc en fait, t'avais récupéré les fichiers de reverse à chaque fois. Et là, ils sont quand même un petit peu plus gros. Question, quand même, hein, les binaires. Le embedded, il doit être un peu énervé, hein, quand même. Hein. Mais je comprends mieux le question. Effectivement, le question, là, il était faisable, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du reverse de binaire. Après, je connais le concept. Mais j'avoue que les mecs qui ont réussi à taper avec du bash pour boucler, en fait, potentiellement, pour, en gros, bah, leur bourrer, faire l'aller-retour de toutes les questions-réponses. Un peu comme moi, je m'étais amusé à boucler, à faire le bruit de force de qui passe. Le bruit de force de qui passe, parce qu'on avait le début du... Avec la capture telnet, on avait le début du mot de passe, que le mec s'amusait à taper en boucle. Et du coup, ça nous avait facilité la vie pour créer une boucle bash à la con, pour tenter faire une ouverture avec Capecli. C'était un peu énervé, mais... Là, la difficulté de cette boucle-là, c'est qu'en fait, le programme te rend jamais la main. Donc je serais très curieux de savoir comment on peut le faire avec du bash. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment optimisé pour... Après, il y en a qui font des trucs à torturer les entrées-sorties... dans tous les sens.
Qu'est-ce qu'on aurait comme petit émulateur Game Boy qu'on pourrait lancer Rapidos. Visual Boy Advance, allez, vite fait. Ah oui, genre direct, ok. Ok. Open Game Boy. Ouais, je peux aller chercher sous Linux directement, parfait. LH24, Chalizy, Unable to Load, Game Boy ROM. Eh ben, c'est pas ça. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on avait des trucs là-dedans? Il y a du Tetris. Ouais, alors ça peut être... Bon, ceci dit, ça c'est pareil, potentiellement avec Peter, on verra, je verrai peut-être ce week-end. Enfin voilà. C'est tout pour ce soir, ce sera déjà pas mal. Au final, on aura vu que deux types de challenge. Sachant que des fois, vous allez pouvoir trouver de la stéganographie. Si je reprends un petit peu ce que j'avais publié les autres années, comme le hack, on avait fait quoi? On avait fait quoi? On avait... Putain, en 2023, j'ai publié 5 articles. C'est un bois. On avait... Oui, voilà, on avait un truc simple qui était... On avait une image avec un QR code. Alors, bon, grosso modo... Et donc là, l'idée, c'est qu'on scannait le QR code de l'extérieur qui te disait c'est exclusivement au centre avec des trois... Avec un truc comme ça qui au final est une... Comment? Était une chaîne qu'on passait derrière à XOR avec la clé. Ça nous donnait le challenge, donc le truc était au centre. Il fallait quand même reconstruire le QR code au milieu, parce qu'il manquait des morceaux. Ça, c'était rigolo. Je sais plus si c'était classé en stégano, ça. Je l'ai pas indiqué, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Le cryptanga, c'était quoi ça? Intercepter un message. Gna, gna, gna. Ah bah j'avais même donné le fichier, d'accord. Le message brut. Avec du letter bars et qu'on peut décoder. Ouais, voilà. Après, bon, on était passé par un truc externe qui était pas. J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était que ce letter bars là. Je suis pas plus. Donc ça, c'était de la crypto. Le NTFS, c'était quoi ça? Tac, 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 tac. Ah oui, il avait fallu récupérer un outil d'analyse de partition NTFS pour récupérer les trucs. Pour récupérer le fichier. Hop, nanana, pour extraire le fichier où il y a l'URL avec curl machin, etc.
Et du coup, on se retrouve avec le flag dans lequel on avait le nom du fichier avec l'adresse IP, le port qui sont là-dedans. Bon, voilà, c'était pas. C'était rigolo, ça, comme analyse. Mais du coup, ça permet de découvrir des outils qui permettent de travailler sur des images de systèmes de fichiers. Ce qui peut être intéressant, parce que des fois, quand on travaille sur un disque dur, on n'avait pas forcément. C'était quoi? Bah, c'était celui-là, Where is Wally? Oui, voilà, c'était ça, le fameux truc où il fallait trouver. Donc, c'était quoi le nom? L'hôpital Robert Debré. Voilà. Et après, il y avait un deuxième truc avec de la stéganographie. Bon, en fait, il y avait une chaîne de caractères qui était planquée dans l'image. Voilà. Enfin, pas que. Enfin, il y avait d'autres trucs, mais il y avait une partie qui était ça. Voilà. Et celui-là, c'était quoi? Oh putain, oui, celui-là. Celui-là, c'était toi, tiens, Jérémy, qui me l'avait logé à la dure en fouillant directement le fichier en brut comme un bourrin. Ouais, celui-là, il était très très à l'arrache quand tu l'avais trouvé, j'avoue. Normalement, on est censé pouvoir faire des trucs un petit peu plus. Un petit peu plus poussé en allant extraire le fichier firmware. En fait, en décompressant la Z-image avec un script qui avait été créé notamment par Linus Torvalds. Et comment? Et en fait, sinon, voilà. On parcourt directement le fichier comme un bourrin avec Vim. Et on pouvait trouver le wall hidden piece. Voilà. Donc là, on était carrément dans une image de firmware. Donc c'est un truc, on va dire, relativement voisin, potentiellement, d'un fichier, d'une image disque. Voilà. Sur ce. Bon, c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Voilà le genre de choses sur lesquelles on peut se casser la tête dans un CTF. Alors, en l'occurrence à l'EAC, mais il y a d'autres conférences en France qui existent. À quoi on peut penser? On a quoi? Dans les trucs que je connais. Il y a quoi? Ça existe encore, GREHAC? Oui, ça existe encore, GREHAC. Donc là, c'est à Grenoble chaque année. C'est à la fin de l'année, quasiment pour mon anniversaire, tiens, pour la blague. Et ils ont un CTF. Non, après, il y a aussi des. Comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'EAC, souvent, ce qui se passe, mais ça doit être vrai aussi dans d'autres. Je vais y arriver. Dans d'autres conférences, c'est que il n'y a pas que le CTF organisé par l'équipe de la conf. Comme il y a souvent des entreprises partenaires, les entreprises aussi peuvent proposer leur propre challenge, avec souvent un cadeau à la clé pour celui qui arrive au bout du truc. Pour ceux, celui ou ceux, ou celle. Je dis celui, mais. Et évidemment ouvert à tout le monde, hein. Je dirais même il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes, histoire d'avoir de nouvelles visions en termes sur la sécurité informatique, ça pourrait être très intéressant, mais bon, ça. Oh mais non. Oh mais si. Oh excellent. GREHAC, ils ont publié les challenges de leurs années précédentes. Oh mon dieu, il y a de quoi mourir là. Là, bizarrement, il y a des années Covid qui sont passées à l'arrache. Oh, c'est bon ça. Et du coup, ils ont quoi? Ils ont du web.
Ah, mais en plus, il y a de quoi builder toutes les applis pour les pour leur ensuite les. Comment? Pour pouvoir les attaquer après dans la foulée. Oh! Ça, c'était un truc qui m'avait un peu frustré sur le. C'était sur le reverse, enfin pas sur le reverse, mais sur le l'injection de YAML dans une application Python. J'y ai passé des heures, le problème c'est que l'application n'était pas stable, et donc j'étais tous les quarts d'heure, j'étais en train d'aller faire chier l'admin pour qu'il redémarre le conteneur. Parce que le truc avait été livré genre 2 heures avant le début du CTF. Donc il n'avait pas été testé ni rien, il n'était vraiment pas stable. Et du coup, j'avais eu les boules de pas avoir pu arriver jusqu'au bout parce que j'y étais. En fait, j'arrivais à exécuter plus ou moins ce que je voulais, sauf l'affichage du flag en question, évidemment, et c'était ce qu'on voulait. Donc voilà. Putain, Greuhac, quoi. Sérieux, les mecs qui mettent les challenges. Allez, c'est cadeau. Hop. Le petit lien, voilà, histoire de se faire mal sur les vieux trucs. Et ça, c'est quelque chose que ne fait pas le hack à ma connaissance. Les challenges du CTF restent dans les limbes. Et on n'en a pas le. Il y a juste les trucs de conférences, les archives, mais les archives de la liste des conférences, mais c'est à peu près tout. Oula. Oula. Ah, il y a de l'archive là. Hein. Donc voilà. De quoi s'amuser très fortement. Il y a aussi plein de choses. T'as aussi l'autre. L'autre. Non, mais ouais, sinon dans les autres. Parce que moi je pense à celle-là, mais il y avait eu quoi aussi? Oh, mais merde, je me souviens plus. Parce que rien qu'en France. Ah, très drôle. Manifestement, il y a un truc qui s'appelle France Sec. Il y en avait un autre qui se passe dans l'est de la France. Non, c'est Grenoble à tous les coups, non? Alors, du coup, il y a quoi? Il y a des trucs qui se passent en Bretagne, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, Bretagne, il y a Nantes, mais. Oh mince! Putain, j'écoute nos limites sécu, les mecs ils vont à quasiment toutes les conférences de sécu en France et j'oublie les trois quarts des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, mars. Le stick c'est un peu institutionnel, donc je sais pas s'ils ont du CTF, des trucs comme ça. Le stick c'est ultra technique et les mecs sont vraiment à un autre niveau donc je suis pas sûr que. Le problème c'est qu'ils font un épisode par semaine alors du coup c'est un peu compliqué de remonter là-dedans. Hop. Enfin, de toute façon, voilà, je sais. Les mecs vont. Ouais, c'est vrai qu'il y a les assises de la sécurité info aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est loi de programmation militaire. Bon, bref, voilà. Allez. Sur ce, moi. Je. Qu'est-ce que. Oui, bon, non, de toute façon, je suis pas couché encore. Braise CTF. Ah, c'est carrément juste la compétition. D'accord, ok.
Accueil des collégiens, accueil des lycéens. Comment dire? On a le droit d'y aller en tant que vieux ou... Ah, il y a quand même des rumps qui sont des mini... Les rumps, c'est des mini-conférences où généralement on a des trucs... on a un temps très court, c'est genre en 5 minutes, il faut qu'on expose un sujet ou un truc comme ça. Ça a l'air assez rigolo comme galette aussi, évidemment. Et donc là, bah, ça se passe la nuit aussi. D'accord, ok. Mais là, c'est carrément vraiment une... C'est un CTF pur et dur. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... À part les rumps, en fait, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de workshop, il n'y a pas de... C'est vraiment là... Là, c'est vraiment la compétition de chez compétition, quoi. Effectivement. Donc, ils ont quelques sponsors. Ils ont pas mal de sponsors. Ah la vache. Ok. D'accord. Putain, la vache. Ok. Je note. Ok. Bon, et bien sur ce, ben déjà, remercie pour m'avoir refilé tous ces fichiers et ces infos. C'est cool, ça a permis de se refaire un peu rapidement la main sur ce genre de choses. Ça fait des années que j'ai pas retouché à mon compte Routemi. J'avoue que ça... Il y a des trucs comme ça où en fait je m'y intéresse une fois par an et puis après ça repart dans les limbes. Je garde peut-être 15% de ce que j'ai appris sur le moment en fait où je passe le... où je passe l'événement en termes de manipulation, en termes d'outillage. Genre typiquement là, s'il fallait que je me remette... Oh, merci. Mais moi, Call of Duty, j'ai arrêté. J'ai vu qu'ils allaient sortir un Black Ops 6. Il y a la bêta là qui sort dans pas longtemps, mais j'ai arrêté au Black Ops 2. J'ai fait le solo du Black Ops 3, j'ai pas compris et du coup j'ai abandonné. Mais et en fait, ils savent plus quoi faire. Ils sont vraiment, ils tournent en rond en fait, les mecs, depuis des années. C'est chaud, quoi. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, c'est le genre de truc. Comme je pratique pas le restant de l'année, je perds une partie des choses. Il y a quand même des choses qui restent, hein, c'est-à-dire que mentalement, typiquement, le concept du reverse de binaire avec la modification d'instruction, je l'avais. J'ai dû le faire deux fois dans toute ma vie, et la troisième, c'était ce soir. Voilà. Sur ce, bonne fin de soirée. Comme d'habitude, le replay durant le week-end, normalement demain si tout se passe bien, sinon un petit peu plus tard, je sais pas quand. La régularité étant ce qu'elle est, normalement, le week-end prochain, donc vendredi prochain, je stream encore. Et le vendredi 2 août aussi. Et là, on commence à arriver dans les... Et après, je suis en vacances et on me reverra pas encore pendant 2 semaines. Et si j'ai pas encore de nouvelles galères dans le planning, on se reverra pas avant le 23 août après. C'est incroyable comment je suis pas... En fait, il faudrait que j'arrive à me caler une autre soirée dans la semaine pour dire de stream aussi un petit peu plus, parce que j'empile les sujets et il n'y a pas grand-chose qui avance au final. Donc, hop là, clac. Et en plus, je m'en suis encore rajouté un, là, il n'y a pas longtemps, avec...
J'avais quoi? J'avais. Oui, j'avais parlé de. Ouais, d'expérimenter Zelige, et je me suis rajouté CrowdSec dans le pipe, en plus de tout ce que je veux faire, pour remplacer le vieillissant Fail to Ban, pour voir si c'est intéressant, si c'est plus performant ou pas, je ne sais pas. J'en ai encore vu passer des vieux trucs il n'y a pas longtemps sur mon vieux Debian 8 que j'ai toujours pas fini de dégommer. Pareil, il faut que je m'y replonge dessus, mais j'ai tellement pas beaucoup touché à mes infrastructures ces derniers mois que. La seule chose que j'ai fait récemment, c'est de monter mon Kubernetes de version. Je suis enfin passé en 1.27. Genre 3 mois avant qu'il soit. Avant qu'il termine sa vie, ses 8 mois de support. Et j'ai fait bouger ça. Et ça s'arrête là. J'ai toujours pas. Ouais, bah CrowdSec pour le coup, c'est pour du serveur à l'ancienne, mais ça a l'air un peu plus. Voilà. Architecture un peu différente, projet communautaire. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il y a beaucoup trop de choses à. Beaucoup trop de choses à faire. Hop. Sur ce, bonne fin de soirée. Encore merci pour tout. Et pour ceux qui ne suivent que Twitch, et bah, au plus tard, vendredi prochain. Ciao, ciao!